Salut la famille, on se retrouve pour une nouvelle vidéo chez Dramé. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification, comme ça si je sors de nouvelles vidéos, tu seras au courant. Dans cette vidéo, on parlera de Didi B, Grand M, Grand P, Ibea One, Tal B, Ouara PUBG. Avant de commencer la vidéo, laisse-moi un like pour m'encourager et reste jusqu'à la fin pour tout comprendre. Sans plus tarder, on commence. Didi D qui lui est mis dans la musique. Didi B témoigne sa reconnaissance envers son confrère et membre du groupe Kif No Beat, Black K. C'est Black K qui m'a fait enregistrer en studio pour la première fois aussi, un jeune grand frère, je lui en suis entièrement reconnaissant. Grand M a eu sa première voiture et Grand P s'est réconcilié avec sa chérie Eudoxie au feu. Décidément cette période est bénie pour les grands. Ibea One, Young Barry bientôt sur la chaîne RHHM. Posez vos questions à la Team Gladia. Les questions sélectionnées seront posées à la Team Gladia lors de l'enregistrement de l'émission. Tal B rendez au cinquantenaire bon début de semaine. Avec mon bon petit frère Alvin Boy NB, rendez-vous le 9 octobre sur la place du cinquantenaire 3 ans Jagelleya Music. Ouara PUBG envoie des pics à un de ses amis, en lisant tout vous allez comprendre. Salut la famille, c'est encore Ouara PAPDJI le destructeur aux côtés de son mentor le PMG du Mali Rap. Chaque chose a ses raisons, plusieurs années se sont passées, personne n'a vu le père fondateur et le king de la 3G sur une même image, beaucoup se posaient des questions mais c'est cool, on est là comme d'habitude. EHHH, j'allais oublier mon ami, ton bruit est inutile, il fallait encore ajouter un peu de Foronto. Accompagné de Bosso Jegeni, comme ça tu allais un peu pouvoir faire plaisir à tes fans, mais j'ai constaté que tu es tout le temps précipité à cuisiner mais ton repas n'est pas de bonne qualité. Et la famille, c'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, n'oublie pas de liker, commenter, partager afin de me donner la force. Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo chez Dramé. Prenez soin de vous, à la prochaine. Voilà. Grand, m'asseoir sur toi. Il te passe encore. Place-toi bien, bien m'asseoir sur toi, ils vont voir. Où? Attends, je ne peux pas. Attends, je peux. De me mettre comment? Je ne sais pas. Voilà. Je suis sur tes pieds. Voilà. Les Guinéens, voici Grand. Voilà. Grand, ça va? Viens de bien m'asseoir. Voilà. Ses pieds ne sont pas cassés, hein? Je suis sur les pieds de Grand P. L'homme fort du moment. Le voilà. Le voilà à côté de moi. Je partage la vidéo, puis je vais me réasseoir sur ses pieds. Je vois même pas, il y a les notifications. Et c'est en train de partager. Grand avec ses mamans. Grand, viens m'asseoir. Hein. Dis de m'asseoir. Voilà. Pousse ici. Voilà ça. Voilà ses pieds ici. Je suis assis sur lui. Il est le père. Il dit il supporte. Il supporte. Il m'a attrapé même. Regardez, il est derrière moi. Regardez. Il ne peut pas créer un problème chez moi. Voici Grand derrière moi. Je suis lourde, mais ça va. Que les gens vont venir me crier. Non, je suis lourde, mais ça va. C'est supportable, mais ce n'est pas supportable. Grand. Ne me lève pas bien de rester assise. Hein? De m'asseoir. Eh, il veut. Non, je ne vais pas bien. De m'asseoir. Faut te lever, quoi. Regardez. Il est fort, hein? Ses pieds ne lui font pas de mal. Non, tu es fort. Donc, vous avez parlé, vous avez dit que si je m'assois sur ses pieds vont se casser. Moi, si je me suis assis sur lui, ses pieds ne se sont pas cassés. Mais tu aimes ça? J'aime ça. Tu aimes ça? Ah, ok. Mais toi, mais il faut t'asseoir sur les pieds, Renati. Non, c'est la femme qui doit s'asseoir. Si ça s'assoit sur mon pied, les Guinéens vont dire que je lui ai manqué de respect. Oui. Donc, mes frères Guinéens, je vous demande pardon en avance. Si après, il a mal au pied, je vous demande pardon. C'est lui qui a dit de m'asseoir.
Oui. Je me suis assise, est-ce que vous avez vu que ses pieds lui font mal? Donc après, s'il a mal là, et ça va, il sent. Oui, il s'est soufflé. Je m'assois encore, je partage. Non, il doit lui faire pitié. Hmm? Non, il faut faire grimper. Non, il n'a pas mal, il met jamais. Qu'est-ce qu'il fait? Viens m'asseoir. Tu veux qu'il s'assoie? Où c'est m'asseoir? Oui. Tu veux ça, grimper? Grimper? Tu veux ça? Ah, pourquoi pas? Écoute, papa. Faut qu'on te voie. Papa. Flex. Attends. Fais attention. Edo, il ne faut pas tuer mon petit. Edo. S'il te plaît. De m'asseoir encore. Hein? Une dernière fois. Ah! Mets ses pieds ici. On voit ses pieds. Où sont les pieds? Est-ce que ses pieds? Ah, donc grand-père, la force. Ouais. Donc le grand. Voilà, tu as confirmé que tu peux. Tu as confirmé que tu peux supporter mon poids. Tu as commencé à prendre tes pieds. Voilà. Donc, s'il te plaît, masse un peu son pied. Non, ça lui fait pas non, mal. Non, ça lui fait mal. Ah, il a mal. Tu as mal au pied, donne tes pieds, il va masser un peu. Ok. C'est bon? Ça va? Non, ton pied est pas. Grand père, tu as eu mal au pied. Ça va? Donc, nous sommes chez notre parrain, notre papa chéri, le roi Douzdou. Je vais vous le présenter tout de suite. Oui. Voilà. Il fait beaucoup pour nous. Voilà. Je tenais à lui dire merci parce que demain, je fais une partie de mon clip ici en Guinée avec ses Rolls-Royce. C'est un privilège. L'homme le plus gentil de l'univers. C'est pas parce que devant moi que je parle, mais il faut que je vous le présente. Ça, c'est mon père. C'est mon homme. Le papa, le roi 12-12, l'homme le plus humble de l'univers. Aussi puissant qu'il est, il est aussi humble. Merci pour tout ce que vous faites. Merci vraiment. C'est son meilleur ami, son frère en même temps. Flex, il n'y a pas l'homme. Merci beaucoup. Ouais, on est ensemble. Mmh. Donc, grand, oui. On cause un peu à nos bébés et puis il est coupé. Ok. C'est juste papa, le roi 12-12. Il est très gentil. Il est très gentil. Mmh. Ah oui, le roi 12, c'est un paysan. Il n'a pas. Il a beaucoup fait. Beaucoup. Toutes les femmes, c'est qu'il est où? Roi Doudou, partagez-vous. C'est qu'il est où? Maintenant, je vais dire quelque chose. Oui. Notre papa nous a fait venir pour la réconciliation. Oui. J'ai dit la dernière fois que je vais réfléchir. Oui. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, tu dis que tu vas prendre une autre femme?